Salut la team, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc je suis accompagné de Noah qui va lui aussi me donner son avis sur les pronostics. Donc là on est encore dans le week-end, c'est que pour l'instant on a des très très bons résultats. Donc ça aussi c'est un très très bon truc. On a dépassé les 1000 vues pour la vidéo précédente, donc ça c'est une grande satisfaction avec beaucoup de pouces bleus. Donc ça je ne peux que vous remercier, ça fait que valoriser mon travail et me donner envie de continuer le travail. En plus, on fait un bon week-end. Donc j'espère qu'il y en a qui ont bien parié, parce que là, il y a eu une belle cote qui est sortie. Manchester United, victoire à l'extérieur 2-0. Une belle cote à 2,05 données, plus toutes celles d'avant. Donc là, on va partir sur les pronos pour la Ligue des Champions. On a 4 matchs de Ligue des Champions prévus cette semaine, donc 2 mardi soir, 2 mercredi. Donc n'oubliez pas, tout ce que je vais vous donner, c'est avec Winamax. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit la dernière fois, vous voulez faire une ouverture de compte sur Winamax, vous y allez, vous faites un dépôt de 10 à 100 euros. Alors admettons, vous mettez 50 euros en dépôt, Winamax vous double votre mise, donc vous donne 50 euros de pari gratuit. Là, il n'y a pas d'obligation d'une défaite ou quoi que ce soit avec Winamax, il vous double votre mise tout de suite. Donc vous voulez aller vous inscrire sur Winamax, dans la description, vous avez un lien pour aller ouvrir un compte sur Winamax, donc n'hésitez pas, allez-y. Donc on est parti pour les paris de la Ligue des Champions, on est parti la team. Allez, on démarre avec le premier match, c'est quoi comme match, Noah? PSG Bayern. Donc le Paris Saint-Germain qui reçoit le Bayern de Munich. Match à pronostiquer, et si on suit la logique de ces derniers jours, allez, on va dire le Bayern de Munich va gagner. Vu que le Paris Saint-Germain, la crise couve, il n'y a pas de souci, ils y sont. Deux défaites d'affilée à Marseille contre l'OM et à Monaco contre Monaco. Deux grosses défaites en plus, hein, où le PSG n'a pas vu le jour. Donc, hein, Noah, il est d'accord avec moi et il me dit oui. Et le Bayern de Munich qui s'est imposé sur ces deux derniers matchs, et ils n'ont pas fait semblant en plus. Hein, sur les deux dernières victoires du Bayern de Munich, ils n'ont pas fait semblant. Mais c'est la Ligue des Champions. On sait que le Paris Saint-Germain, le championnat, ils l'ont toujours pris un peu par-dessus la jambe, on va dire. Et qu'en Ligue des Champions, c'est pas toujours les mêmes joueurs. Donc c'est un match qui est très très difficile à pronostiquer. Donc moi, je vais pas prendre de risque. Je vais donner plus un but et demi dans le match. Je pense qu'il va y avoir des buts dans ce match. Toi, Noah, tu vas me donner quoi, toi, ton avis? Je vois le Bayern gagner. Tu vois le Bayern de Munich gagner? Alors quand on a fait les pronos de la team, moi, j'avais donné victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Et Noah, lui, t'avais donné quoi, toi, comme résultat? 3-0 pour le Bayern. 3-0 pour le Bayern de Munich, oui. Non, hein, moi j'y crois pas. Donc moi je vous dis, hein, mon pronostic, c'est plus d'un but 0,5 dans le match. Allez, on arrive au second match. C'est quoi comme match, Noah? Milan vs Tottenham. Donc le Milan AC qui reçoit Tottenham. Milan AC, c'est compliqué en ce moment, hein, ils ont eu des très mauvais résultats. Là, ils ont gagné, là. Sur le dernier match, ils ont gagné avec un sauveur, Olivier Giroud, hein, c'est ça, Noah? Ouais, on est d'accord avec ça. Tottenham s'était imposé contre Manchester City la semaine dernière. Et là, ils viennent de prendre 4-1 contre Leicester. Hein. Donc, on va aller dans la logique, ça se joue à Milan. Je vais dire, moi, victoire du Milan AC. Mais je vois les deux équipes marquées. Donc, mon prono à moi, victoire du Milan AC et les deux équipes marquent, oui. Et toi, Noah, tu vois quoi? Victoire du Milan AC et plus d'un but et demi dans le match. Donc, victoire de Milan et plus d'un but 0,5 dans le match. Si ça pouvait être un 2-1, par exemple, ça arrangerait tout le monde. Allez, donc, hein, mon prono, victoire du Milan AC et les deux équipes marquent, oui. Allez, on part pour le troisième match. Donc là, c'est le match du mercredi soir. Donc, c'est quoi comme match, Noah, là? Bruges vs Benfica. Donc, c'est le Cercle de Bruges qui reçoit Benfica. Donc on l'avait vu, Benfica qui avait fini premier de son groupe à différence de but avec le Paris Saint-Germain. Et Bruges qui avait été la grosse surprise de ce premier tour, qui avait fait un très très bon premier tour. Donc pareil, pronostiquer ce match-là, allez, on va partir, on va éviter de prendre des risques. Et on va parler, les deux équipes marquent, oui. Moi je dis que les deux équipes vont marquer dans le match. Et toi Noah, tu vois quoi comme résultat? Un match nul, c'est tout. Un match nul, donc hein, là c'est pas compliqué, 0-0, 1-1, 2-2.
1-1 et on gagne tous les deux notre pari et on est tranquille. Donc je vous le dis, moi, le pronostic, les deux équipes marquent au moins un but. Allez, le quatrième match, Noah, c'est quoi? Borussia Dortmund vs Chelsea. Donc Dortmund qui reçoit Chelsea. Là, ce sont deux équipes à l'opposé. Dortmund, qui depuis la reprise de Coupe du Monde, est bien, a repris du poil de la bête, est bien remonté dans le championnat allemand. Il tourne bien actuellement. Et on a Chelsea, malgré un recrutement, un mercato de folie. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas, hein. Ils ont encore concédé un match nul, je crois, ce week-end. Donc ils ont eu beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal à décoller quand même, Chelsea. Donc moi, sur ce match, mon pronostic, c'est Dortmund va s'imposer. Moi, je vois Dortmund s'imposer sans aucun souci à domicile. Et toi, Noah, tu vois quoi? Victoire du Borussia Dortmund et plus d'un but et demi dans le match. Donc, hein, Noah même, il rajoute lui le plus 1,5 dans le match. Moi, je reste sur mon pronostic. Victoire de Dortmund. Voilà, donc je viens de vous donner mes quatre pronostics pour cette semaine en Ligue des Champions. Voilà, pour les pronostics de Ligue des Champions. J'espère qu'on va ramasser un maximum sur ces quatre matchs. Comme je vous dis, là, on est en train de faire un bon week-end. Tout se passe pas trop mal. On a rentré des cotes intéressantes. Espérons que ça continue. Pour rappel, la soirée Bayern de Munich PSG match retour. Je sais qu'on attend tous le match aller, voir le résultat du match aller pour commencer à parler du match retour. Hein, on est d'accord, non? N'oubliez pas cette soirée. N'oubliez pas de regarder les actualités sportives, hein. Avec Alex, actuellement, on fait des émissions, c'est qu'on discute un peu des actualités sportives. Donc, pensez bien à aller voir aussi ça, ça peut être intéressant. Noah, bah, des fois, se lance sur des pronostics basket, donc on parlera un peu du basket aussi, hein. Vous voyez, c'est un basketteur avec l'image qui est derrière nous. Noah nous lancera dans les pronostics basket. Donc, moi, je vous souhaite bonne chance à tous. On va faire aussi des pronos pour la Ligue Europa. Donc, on a une nouvelle vidéo qui va sortir dans très très peu de temps, hein, d'ici 24 heures. Donc, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt. Salut la team!